La zone euro à la traîne de l'Amérique du Nord, c'est le constat dressé par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Son rapport table sur une croissance de 1,9% au premier et deuxième trimestre pour l'ensemble du G7, mais avec de grands contrastes. Les risques de choc ont un peu baissé en intensité, mais ils sont toujours là, estime le chef économiste de l'OCDE. Au niveau du G7 en tant que groupe, la reprise se raffermit, à en croire les chiffres de l'an dernier, mais à des cadences clairement différentes. Elle est plus rapide en Amérique du Nord, aux États-Unis notamment, la zone euro demeurant vulnérable. L'OCDE table ainsi sur un PIB américain en hausse de 2,9% au premier trimestre et de 2,8% au second. En revanche, l'Italie devrait rester engluée dans la récession, l'activité devrait se contracter en France et l'Allemagne devrait enregistrer une croissance anémique de 0,1%. Dans ce contexte, l'OCDE a appelé la zone euro à accroître son fonds de secours.